Salut à tous, c'est Plopsamania, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir Winter Magic à Plopsaland. Allez, suis-moi, c'est parti. Ça y est, c'est l'ouverture du parc. Et comme à mon habitude, hein, je suis toujours accompagné de ma petite Clara. En fait, aujourd'hui, on tourne plein de vidéos. Vous saurez bientôt pourquoi. Mais une petite vidéo Dunkin. Il y a aussi les vidéos des spectacles. Et là, on va essayer de découvrir un peu Winter Magic avec le Festival des Lumières. Du coup, on découvre un peu le parc et les décos de Noël ont été installés. Donc en fait, il y a un truc dans le parc, c'est que on est en Belgique. Et en Belgique, c'est Saint-Nicolas qui est fêté. Donc il y a tout un coin qui est décoré sur Saint-Nicolas. Et sinon, tout le reste du parc est décoré sur Noël. En tout cas, c'est super mignon. Il y a des sapins de Noël partout. Il y a des drapeaux pour Saint-Nicolas. Il y a le trône de Saint-Nicolas. Il y a les cheminées. Ah, c'est mignon tout plein, c'est mignon tout plein. Clara, on fait une attraction? Les montgolfières! Allez, c'est parti! Bon, ça y est, on est dans les montgolfières. Mais il y a Jockey qui a froid. Non, c'est une impression. C'est une impression, c'est que dans la tête. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis mon bonnet. En fait, il faut se dire, non, on n'a pas froid, il fait bon. Moi, je trouve quand même, il fait bon, là, non. Ouais. Fait bon? Fait bon, hein? C'est bon, ah oui hein. J'ai envie d'aller acheter un bonnet, t'as mangé 3 paquets. C'est super, bah t'as un chapeau. Ouais mais alors je vais le mettre. Oh regardez mon chapeau. Bah ouais, regardez, on a retrouvé quelqu'un. Pour ceux qui ont vu la vidéo à Peridaisa, vous allez vite comprendre. On a retrouvé qui? Paddington. Non en vrai ça passe hein. Bon, c'est... Tony là ça passe pas du tout. Bah écoute, on a connu pire, on a connu mieux. Mais ça va. Eh bah dis donc. Yeah! Yeah! Oula! 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 Bah, madame, qu'est-ce qui vous a? Je sais pas, j'ai un élan de motivation là! Elle a un élan de motivation, elle vient de nous dire quand même: bon, j'irai bien faire Ride to Happiness aujourd'hui, nanana! Alors que je fais des crises. Alors que. Elle est totalement paniquée, je sais pas pourquoi, je le sens pas du tout! Grosse journée, on vient de faire les montgolfières et maintenant on se dirige vers une grosse attraction. Ouais, une grosse attraction. Grosse attraction. Sensation assurée. Bon, direction le carrousel. Wouhou. Yeah, on adore. Moi je suis dans la petite tasse là, avec mon petit parapluie dessus et il y a Jockey. Hey Jockey. Ah oui hein. Ah oui hein Jockey. On essaye de tourner. À une main c'est pas facile. Hein. Yeah, hey, wouhou. On adore pas. Sans son... Ah si, regarde. Ouais, en fait, je fais 4 demi-tours. Ça donne quoi la petite danse au fait, Clara? Hein? La petite danse, s'il vous plaît. On se balade toujours et on découvre les belles décorations de Noël de Winter Magic.
faut dire que c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Il y en a un peu partout. C'est chouette. Là derrière la grande vague, on la fera pas. Parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu et un peu frais. Il y a aussi Wiki The Battle qui n'est pas encore ouvert, qui va ouvrir. Mais alors là, il fait encore plus froid pour faire quelque chose. Donc on fera pas non plus. Non, on est un peu là pour profiter de l'ambiance hivernale du parc. En plus, je suis parfait dans le thème, regardez, pull de Noël. Clara est motivée. D'habitude, elle fait pas les tasses à café. Et là, on va faire les tasses à café. Oula, grande sensation aujourd'hui, dis donc. D'énormes non, sensations. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est grand, ça. Oula. Non, allez. Franchement, les tasses, ça va. Et on prend une tasse dans un disque ou sur le côté? Oh, dans un disque. Par contre, les gars, moi, je tourne. Faut pas. Tourner. Oh, bah là, on tourne tout seul. Quoi? Ah, bah ouais, on fait un disque chacun. Oh, ouais. Oh, allez. Moi, je tourne. Beaucoup mieux que tout à l'heure dans le carrousel. C'est les grandes tasses. Mais les filles ont fait bande à part. Du coup, je me retrouve tout seul. Mais bon, vous, aime bien. Aime beaucoup. Aime beaucoup. Ça y est. Ouais, j'ai vu. On sort des... On sort des tasses. Vas-y, sois tranquille. Et ouais, mais sans retenue, sans retenue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le canard. Oh non, pas au canard. Après, il va avoir des affiches sur moi, sur les réseaux. Dino, maintenant? Non. Dino, maintenant. Après manger. Oh non, cet après-midi, quand il commencera à faire noir, ce sera plus joli. Bon. Du coup, là, On fait les flowers. Ben, on se balade, on verra bien. On va vers par là. On va vers par là. Ah, il y a Clara qui a envie de faire RTH depuis tout à l'heure. Non, j'ai dit peut-être. Parce qu'aujourd'hui, je suis motivée. Peut-être. Alors, ça le fait, purée, demain, il va neiger. Bah, si elle le fait, demain, restez tous chez vous, parce que alors là... Moi, je te conseille, commence par ça. Ouais, commence par un limite. Moi, ça me fait peur. Moi, mais ça fait beaucoup moins peur. Que ça, hein. Ça fait beaucoup moins peur. Allez, vas-y, et je te filme. Non, pas maintenant. Après, tu diras, j'ai mangé. Non, pas maintenant. Je fais ce que je veux. Et regarde, tout le monde te voit râler, là, maintenant. Il y a des preuves en vidéo. Mais non, je veux plus enlever, hein. C'est trop tard. De quoi? Bah, allez, des preuves en vidéo, ça y est, Clara est obligée de faire Ride to Happiness aujourd'hui. Obligée. On force pas les gens à faire un truc. Ah, tu t'as une grande bouche depuis tout à l'heure à dire oui, on va faire. Je sais pas si on va faire. Ah si. Non, dis pas ce que j'ai pas dit. Juste arrête, stop, m'énerve pas. Eh, vous avez vu comment elle est, Clara.jo? Voilà, le vrai visage. Juste après dire, on commence avec la musique. Bon, allez. On va continuer de faire un petit tour et puis après, bah. On verra ce qu'on va faire. Mais comme il fallait s'en douter, temps d'automne, il commence à pleuvoir. Donc on s'abrite un petit peu dans la zone des pirates et on pense aller vers Mayaland du coup. Pour se mettre au chaud, peut-être aussi manger. Parce que tout à l'heure, il y a une grande arrivée à Plopsaland, Saint-Nicolas et les Pères Fouettards arrivent. On ira d'ailleurs les rencontrer. Je vous dis que c'est vraiment un temps d'automne, regardez, maintenant il ne pleut plus. On est genre 2 minutes avant la scène juste avant, 2 minutes après, pardon, et il pleut déjà plus.
Lily, il pleut plus, enlève ton parapluie. Mais non, c'est les arbres. Ah. Non, mais là, il pleut. Mais non, c'est les arbres, mais il pleut pas. Une goutte de frise. Une goutte, je frise. Attends, là, il y a qui dedans. Elle fait une frisette. Allez, direction Myland. On s'en va à la cantine. La cantine qui s'appelle Monsieur Spaghetti. Et on va commander un petit vol au vent frites. Des familles. Ah, tu t'as fait coucou, mais tu l'aimes. Gros, miam, miam, miam. Tu l'aimes, c'est gros. Et désolé, Oran, si je t'ai mis un gros vent, mais bisous dans la vidéo. Un service repas en trois étapes. La première étape, ça a été Lily avec sa saucisse. Là, maintenant, c'est moi avec ce qui va arriver bientôt, mon vol au vent. Et après, c'est Joki avec le plat burger. On a été... Bon allez, non, sérieux. On a été servis. Un petit vol au vent des familles. On a eu un petit service exceptionnel. Merci à toi. Tu te reconnaîtras dans la vidéo. Bisous, bisous. Et je vous montre mon petit vol au vent. J'ai fini de manger, c'était très très bon. C'était très très bon au Monsieur Spaghetti. Et oui, contrairement à Plaza Station, là je le dis, c'était bon et chaud. Voilà. On va pour la pause miam miam de Clara dans sa seconde maison. Le plop burger. Le... Regarde le gars, le... coiffure frite. Oh, coiffure frite. Mon Dieu, il y a une coiffure frite. Oh, il y a une coiffure frite. On va faire un selfie avec coiffure frite. Attends. Vas-y, et on fait un coiffure frites. Ah. Mais c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Allez, on se dirige vers la maison de Clara. Le Plop Burger Restaurant. Ça vous étonne, hein? Nous pas. Hein? Nous pas du tout, hein? Ça nous étonne plus. De quoi? Bah, le Plop Burger. Oh, non. Ça devient une habitude, en fait, maintenant. Mais par contre, c'est super agréable. Depuis tout à l'heure, on enchaîne des attractions. Je vous filme pas tout, mais en vrai, il y a personne, quoi. Il y a réellement personne. Bon, après, il fait un peu frais. Et il pleut aussi, donc ça joue beaucoup. Mais c'est quand même très agréable. Et comme à son habitude, malgré qu'il y a de la place en bas, elle est escalée en haut. C'est une blague. Bah oui, forcément, en haut. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oh, ça résonne. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon appétit. Clara jolie. Tiens, s'il te plaît, c'est moi. Elle a son plop burger, elle est contente. Regarde pour les frites de mamie. Waouh, beaucoup de frites. Miam, 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 miam. Miam, miam. Miam, 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 miam. Ça y est, on vient de reprendre un peu de force, tout le monde. J'ai plus de cours. Lily a eu son pain saucisse. Moi, j'ai eu mon vol au vent. Et Clara a eu son... Plop Burger. Plop Burger. Comment ça, t'as plus de connexion? On peut prendre téléphone. Comment ouais. Ça? Ah oui. Parce que là, vous allez voir nos talents. Oh, putain, on devrait faire la Plopsa Academy. Ouais, peut-être un concept bientôt. Attends. Ah, mien, il y a pas de son. Ah, mais, voilà. mais dans l'autre sens, les paroles, je vois rien sinon. Allez, on avance. Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur
plus grand que la terre. Vous, laissez-moi ma chance. Emmenez-moi loin d'ici. Non, sérieux. Non. Non, 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 non. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez notre autre vie, laissez-moi vivre. Vous voyez les effets de la Star Academy quand même sur nous? C'est problématique, hein. Se dit à Ijver, la patrouille, le show qu'il y a dans le théâtre Proximus, donc le théâtre à l'entrée du parc. On est un peu à la bourre, donc on espère pouvoir voir le show. Mais bon, vu qu'il y a pas beaucoup de monde dans le parc, ça devrait aller. Bon, on est dans le Proximus Théâtre et on est juste à l'heure pour le show de la patrouille. Je vous mettrai quelques images. Malheureusement, peut-être par question de copyright, vous n'aurez peut-être pas le son original de la vidéo. Bon, on est juste installé. Et maintenant, on regarde le show. Je vous ai mis quelques images du coup du show de la Pat Patrouille qui est à retrouver tous les week-ends. Tous les week-ends, pardon. Et puis. Ouais. Ah, un problème, votre pote, ouais. Un problème, ouais. Bon, du coup, je disais, le show est à retrouver tous les week-ends de novembre, de décembre. Enfin, jusqu'à la fin de la saison, quoi. Bref, je sais plus exactement, mais ça va être là un petit moment. Ah, ça y est, j'ai l'affiche, donc c'est tout le mois de novembre, tous les week-ends de fin novembre, puis tous les week-ends de décembre, puis du 24 décembre au 1er janvier, et les 7 et 8 janvier. Donc pas pendant la semaine des vacances de Noël. On va pouvoir aller voir Maya et Willy. Maya et Willy, du coup, qui ont changé de spot parce que Saint-Nicolas, que je n'ai pas filmé du coup, vu qu'on était au spectacle, Saint-Nicolas a pris leur place. Et donc, du coup, Maya et Willy rencontrent les visiteurs juste à l'entrée des salles en haut de Mayaland. Ça y est, le grand moment est arrivé. On va pouvoir rencontrer Maya et Willy. Salut Maya. Maya, tu vas bien? Tu as mangé beaucoup de miel ce matin? Oui, tu t'es régalé, très bien. Willy, bisous. Oh, regardez-moi ça, ils sont pas mignons. Hein? Allez, bonne journée. Oui, c'est un vlog. Coucou. Yeah. Allez, bisous les copains. Bisous. Juste de rencontrer du coup Maya et Willy. C'était un peu express, mais au moins on les a vus, c'était cool. Et là, on s'en va faire un petit tour dans le parc. C'est le petit instant shopping de la vidéo. On va découvrir ce qui se trouve dans la boutique en produits de Noël et un peu peut-être les nouveautés.
On se retrouve un peu plus tard dans la journée et avec Clara et son petit ami, on s'est dit, ben, on allait faire la meilleure attraction du parc. Grande sensation assurée. Attention, il s'agit des canards. Des coins-coins. Des coins-coins. On va sur les coins-coins. Joki, on va vraiment sur... On va sur les coins-coins. Allez, on est parti sur les coins-coins. Eh ouais. Grande attraction à sensation. Les coins-coins. Wouhouhouhou. Les coins-coins. Ouais. Ah, on adore, hein. Franchement. Très grande sensation. Looping assuré. On est... C'est trop bien. Eh, Joki. Hey Joki, vas-y, fais quoi quoi. Qu'est-ce que c'était drôle. Qu'est-ce que c'était drôle. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait les abdos. Oh, non, ça fait les abdos en fait. Ouais. Non, en vrai, ça va, on a rigolé quand même, c'était cool. Faut pas se prendre au sérieux de toute façon. Moi, j'ai fait qu'on va sur les petits. On est là. Alors là. Les petits lapins. Non, pas les petits lapins. Il est bientôt 16h30 et ça va être l'heure du coup de la parade. Et normalement, si mes informations sont bonnes, Saint-Nicolas est sur la parade et viendra nous saluer. Donc on se retrouve du coup maintenant avec la vidéo de la parade. La maison c'était bonne, hein, vous avez vu. On a vu Saint-Nicolas, les Pères Fouettards, Plop Vic, Mega Mindy, enfin bref, plein de personnages de Studio 100. Et aussi on avait une jolie petite fanfare devant avec des majorettes et tout, c'était super sympa. Et ben là on va encore profiter un peu du parc de nuit. Vous voyez, l'atmosphère commence un peu à s'assombrir, c'est joli. Je vais vous montrer quelques images aussi du Festival des Lumières dans le noir, ça sera aussi plus beau. Et puis bah, c'est sur ces images que se terminera le vlog d'aujourd'hui.
voilà, c'est sur ces dernières vidéos de la place du village illuminé et de Winter Magic et son festival de lumière que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu n'es toujours pas abonné, n'oublie pas de le faire et de liker la vidéo, ça fera toujours plaisir. Et puis, on se voit sur de nouvelles vidéos. Salut !